Au Palais des Arts et de la Culture, c'est un rassemblement à la grandeur de l'événement. Venus des différents quartiers de la capitale, les invités prennent part à la cérémonie de remise des parchemins aux lauréats de la 32e promotion de l'Université évangélique du Tchad. Arrivés en fin de formation, ils reçoivent des conseils du secrétaire général de l'EMET, Entente des Églises et Missions évangéliques du Tchad. Vous venez de recevoir les diplômes sanctionnant 3 ou 7 années d'une formation dont il m'est revenu à l'esprit, ayant été un ancien aussi étudiant comme vous. Je pense déjà donc à tout le travail que vous avez abattu, de la discipline et de tous les sacrifices que vous avez consentis pour arriver donc à ce résultat. Ensuite, parce que cette journée marque le début de votre entrée dans la vie professionnelle, où vous serez désormais autrement considéré par votre entourage. Désormais, diplôme en poche, le regard est tourné vers le marché de l'emploi. Le secrétaire général de l'EMET insiste sur la traduction dans les faits des enseignements reçus dans la discipline des institutions d'accueil.